générale, on a décidé de vous faire d'autres trucs par rapport aux agencements de couleurs. Et là, on a un chandail très imprimé. On ne peut pas avoir beaucoup plus imprimé que celui-ci. Et dans ça-là, il faut y aller avec un neutre. Et vous savez, dans la capsule des neutres, le jeans est dans les tons de neutre. Donc, je suis allée avec de la même collection, le petit Bermuda. Il y a même des broderies et ça fonctionne parce que c'est parmi les neutres. C'est sûr que c'est la même collection, fait que ça aide aussi à agencer. Mais on pourrait aller aussi avec un capri noir qu'on pourrait agencer avec celui-ci. Donc, on pourrait mettre du brun, du noir, avec des beiges aussi, avec un blanc aussi, un beau pantalon blanc, ça serait très joli également. Donc, ou on pourrait aller avec les tons de argent comme on a ici au niveau des argent, or et compagnie. La même chose pour les accessoires. Donc, un petit truc pour... On vous donne un défi. Si vous avez quelque chose chez vous que vous avez de la difficulté à agencer, vous savez pas avec quoi le mettre, prenez-le en photo, envoyez-le nous en commentaire ou bien ça pourrait être sur Messenger en privé. On va vous trouver quelque chose pour l'agencer. Donc, le défi est lancé. Donc, on y va pour un deuxième truc. Voilà un autre imprimé qui est dans le fond avec plusieurs couleurs. Moi, j'ai opté pour le marine. Vous savez que le marine, c'est un des neutres. Il va avec beaucoup de choses. En fond, c'est quelque chose qui est à mettre avec tout. Étant donné que j'en avais déjà dans mon imprimé. Puis marine aussi, c'est moins sévère pour les gens qui ont de la difficulté à porter le noir. Ensuite, on pourrait ajouter juste un petit élément qui va aller rechercher une des teintes dans notre imprimé. Et puis, le tour est joué. Dans le fond, ça nous fait vraiment une belle harmonie de couleurs. Et voilà pour le deuxième truc. On y va avec un troisième. Ici, dans notre cercle. Autre truc qu'on avait aussi dans notre cercle chromatique, les dégradés. Donc, je suis tout de bleu, dans le fond, dans les mêmes tons des dégradés. J'ajoute peut-être juste un petit foulard et le tour est joué. Donc, on va y aller avec un dernier truc. Comme dernier look, on y va avec le kaki, donc un imprimé avec un neutre. Savez-vous c'est quoi le complémentaire du kaki? Donc, comme un complémentaire du kaki, on y va avec le rose. On pourrait mettre un t-shirt rose pour agencer avec ou une camisole rose. J'y vais là, je viens de voir, on a un foulard rose ici. On pourrait justement, pour vous montrer que ça fonctionne, le rose avec le kaki. C'est vraiment, c'est sûr que c'est peut-être pas l'idéal à mettre avec un short, mais le rose avec le kaki, c'est toujours une belle harmonie. Donc, n'hésitez pas ici justement. Ce t-shirt à 40$, il est réduit, donc il revient à 32$ en rabais. Et puis, la même chose, le short aussi est en rabais. On a des rabais de... Toute la boutique est en rabais. On a de 20 à 50% de réduction. Donc, venez nous voir et donnez-nous des commentaires par rapport aux trucs qu'on vous a donné dans cette vidéo. Aimez la vidéo si vous l'aimez et n'oubliez pas de partager et d'aimer la vidéo. Merci! À la prochaine!